Hello, bonsoir. On commence direct parce que je suis arrivée un peu en retard. Stardew, il est là, donc il n'y a pas de problème. On va juste mettre la capture du jeu. Où es-tu, capture du jeu? Tu es là. Stardew, voilà. Et coucou dans le sabre, comment il va? Un peu fatigué, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Voilà. Bon, alors, le Stardew. Mon PC vient de démarrer, il a fait une mise à jour hier, je suis pas sûre qu'il soit très fluide. On verra. Je ne sais plus si j'ai posé la question, mais comment il va dans le sabre? Le derby annuel de la truite a commencé. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Entre l'alcalinité du sol et des niveaux de fructose dans les récoltes. Ah, il veut un melon. Ok, bon, pas de soucis. Je suis perdue parce que la semaine est passée trop vite et j'ai pas eu le temps de me préparer pour les vacances, mais ça va. Ah, t'es en vacances? En vrai, cette semaine elle est passée méga vite, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour tout le monde. En un sens, c'est bien. Si tu veux, j'en ai rien donné. Et des melons de qualité, s'il vous plaît. Y en a un. J'ai envie de canner. Il m'en manque un. Putain, il m'en manque un! Mais Nick, oh, je suis deg. Avec tous les melons que j'ai plantés, ça prend combien de temps à pousser les melons? Bon, je vais pouvoir donner son melon à Dimitrius, il n'y a pas de souci, mais là je vois que j'en ai d'autres qui poussent. Ah, j'en ai pas mal qui poussent encore en vrai. Il y a encore de l'espoir. Est-ce qu'ils seront prêts à temps? C'est ça ma question. Bonjour Potichard. Pousse-toi. Voilà. Comme les vrais. N'empêche. Une bonne soirée Stardew. C'est le jeu. Un bon stream pour pas parler tout seul et se sentir bête. Et une tasse de thé. J'ai une infusion à la menthe. Il me restait des bonbons à la violette qui traînaient. Je me fais, oh vas-y, ça va être gaulerie. Je les ai plongés dedans. Ça va être sucré avec un goût de violette. Oh, la frise! Aïe aïe aïe. On n'est pas prêt d'arrêter de s'en occuper du champ. Pepperoni! Oh, Pepperoni, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pepperoni au secours? Je ne sais pas! J'ai dit une connerie et je ne l'ai pas suivi, c'est ça? Comme d'habitude. Je risque d'avoir des soucis de mémoire ce soir, vous en faites pas, c'est la fatigue. Pour m'annoncer d'ailleurs un moment random. Ah, mais c'est Polti! Désolé, Polti! Comment tu vas? Je suis désolée, c'est parce que dans le sabre avait la même couleur.
Et c'est vrai que je me disais bien que c'était pas le genre de dent de sabre de sortir des mots comme ça. Évidemment, Pepperoni, j'aurais dû me douter. Quoi que t'aurais mis fur, je l'aurais compris tout de suite, je pense. Comment il va, Faulty? C'est bien passé ta journée? Non. Ça, on va vendre. On va aviser, on va voir, je sais pas encore. Bon, les poufous, on va laisser les deux à l'intérieur, ce sera bien. Attendez, juste une seconde. J'espère que le temps va être, c'était sur pause. Ça vient passer, beaucoup de séries Fallout au niveau des pauses. Alors elle est bien. Luzrod, il m'a dit que je l'aimerais pas parce qu'il y a beaucoup d'os qui craquent. On va aller voir Clint. Bon, bref, on va aller faire des bundles, faire des trucs. Ça va, c'est sympa, même si à un certain moment on voit les effets spéciaux. Ah, chiant. Enfin, chiant. Non, c'est pas là que je voulais. Non, c'est pas là que je voulais. Putain! Après, les effets spéciaux, c'est un peu normal aussi. De les voir à un moment, je pense. Je vais pas avoir cette place dans mon inventaire avec tout ce que je vais choper, n'est-ce pas? Si, hein, si je chope 14 fois le même truc. Oh! C'est super bon comme infusion. C'est toi qui chipote. C'est bien ton genre de chipoter. Hein. Ah, j'ai pensé à toi aujourd'hui. avec mon collègue. Du coup, on a enfin réussi à faire des tests aujourd'hui. Ce serait temps après tout ce temps. Et il fait ok, on va regarder votre test. Et là, il fait ok. Il nous fait travailler 2-3 trucs et il fait maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Ah, mais en fait, notre fonction, elle sert à rien. Exactement. Et du coup, en fait, on était là en mode ah, ouais, super. Ah. Ça fait plaisir. Ouais. 40 œuvres au musée. Mais qu'est-ce que... Voilà. Scolaire et corpos. Ouais, le totem! Le totem. L'épouvantail. Bon, le taf qui sert à rien. C'est un peu ça, ouais. Après... Le truc, c'est qu'ils font un peu exprès de nous laisser nous viander. Si tu veux, ils font exprès de nous donner des trucs avec des deadlines hyper larges pour qu'on fasse des conneries et qu'on apprenne de nos erreurs. C'est ça qui est bien. Dimitrius, j'ai un melon pour toi. Tu veux une fleur? Oh, il est quand même tard! Tout le monde aime les fleurs. Bonjour Robin. J'ai pas assez de cailloux, mais je pourrais te demander un nouveau bac à poissons. Il est où Démétrius? Ah, il est au parc aujourd'hui, sûrement. Chier. Coucou renard! Merde, je regarde le chat et du coup, et bah je marche n'importe où. Coucou renard, ça va?
Ah, il est à Dimitrius. Dimitrius, cadeau. En vrai, je dirais que faire des erreurs, c'est le plus important d'apprentissage, donc c'est cool de leur part. Ouais, non, franchement, c'est cool. Et puis, c'est pas juste ils nous laissent faire des erreurs, et puis après, bah ça sert à rien, MDR, tu recommences. C'est vraiment, ils nous laissent faire des erreurs, et puis, on fait des revues où ils nous font prendre du recul, en fait, sur ce qu'on a fait. C'est pas, genre, c'est de la merde, t'aurais dû faire comme ça, c'est... est-ce que tu penses que... qu'il n'y a pas quelque chose qui va pas, genre là, est-ce que ça aurait pas été mieux, machin de ça, tu vois. Tu m'entends en double décalé avec la fenêtre. Ah ! Ah oui, la fenêtre est ouverte. Si je crie assez fort, tu m'entends. Un champignon violet pour préparer un ragoût. Mais je dis, tu vas empoisonner ta famille ! Ok, il est à la fenêtre. Du coup, ouais, c'est chouette parce que on se viande, mais c'est normal et c'est fait pour, en fait. Mais personne en Australie avec les champignons made in China. Hein? Quoi? J'ai raté une dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? De quoi, le champignon violet où t'empoisonnes toute ta famille? Paquet du chef! Hop! Du pavot pour le chef. Il va me falloir des cochons, putain. Il va me falloir la cuisine. À moins que la vendeuse ambulance n'ait ce qu'il me faut. Ah, il faut un champignon violet. Il me faut deux champignons violets, en gros. Super. Il me faut des sous. Mais les sous, pour l'instant, on va les garder. Il y a un petit temps, une personne a tué par accident les gens de sa famille à cause d'un champignon acheté dans un magasin chinois. Let's go! Il y a 6 secondes de décalage, putain, il a calculé! Psychopathe. On va aller à la ferme. Regarder si on a des champignons. Pour Jody. Bon, j'en ai vendu un en plus. Non, c'était un rouge. Mais peu importe. Oui, du coup, j'ai fait une session hors live. Porc, il n'y a pas de champignons violets. J'ai fait une session hors live et vous constaterez que j'ai construit un bac à poissons. Ça, c'est bien. Parce que du coup, on a notre bac à est urgent. Il faut que je bouge cette maison qui me fait chier, mais je sais pas où je vais la foutre. Et il faut que je fasse un chemin qui va jusqu'au bac à poissons pour faire joli. Et un chemin en bois, pas un chemin en pierre. J'en ai besoin de la pierre. Une anecdote sur Stardew qui t'a fait sursauter sur le moment. Oula. Vas-y, vas-y, je veux tout savoir. Ah, mais je peux faire des tonneaux maintenant. Prendre bois, lingot de cuivre, lingot de fer, résine de chêne. Je vais regarder ma résine de chêne ou pas. Pousse-toi, je suis là.
plus, j'ai gardé vraiment beaucoup de choses exprès pour faire ça. J'ai ça. Ça, c'est pour Léa. Ah! Je passe fondre des lingots. L'anecdote a l'air longue. Ça m'intrigue. Alors, cette maison sera désormais un entrepôt de stockage. Oula. Non. C'était la maison de qui, ça? C'est la maison de Renard ou pas? Si c'était la maison de Renard, il va péter un câble. Si c'est la maison de Renard, je la déplacerai, je la mettrai plus loin dans la... loin pour être sûr de pas le faire. Ah, j'ai pas cette résine de chêne. Bon, celle-ci. Ah, celle-ci, elle est à personne, pour le coup. Ah non, non, je veux pas dormir, non. Je peux pas déplacer le lit de la maison d'un autre joueur. Ah, je suis obligée de la garder sur... Ok. Oh là là, c'est super ergo. Nouveau, ça. C'est ergo. Je comprends pas. On retire tout. Oh. Ah non, je peux. Ouais, ouais, ouais. La maison de clochard, hein. Et maintenant, cette maison est un entrepôt de stockage. Pour l'instant, à personne. Et tout de suite, du miel. Hop. Pourquoi je pèterais un câble? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ta maison ou pas? Ça, c'est pour ça. J'ai pas envie de casser ta maison, sachant que là, il y a eu du home staging. Et tu vas péter un câble si je te casse tout. Je trouve des gens gueulés, mais je sais pas si c'est Renard à l'autre bout de la maison. Ou si c'est des mecs dehors. Plus important, tu manges des cailloux. Pas assez. Forcément. Ah, tu as dit oui, c'est ta maison. Effectivement. Donc, j'ai bien fait de pas le faire. Je la décalerai pour être sûr de pas l'aménager pour rien. C'est quoi ce bordel dehors? Comment ça, le bordel dehors? Pas de bordel dehors, sur la compte. Dehors IRL ou dehors dans le jeu? Le bruit? Ouais, mais non, mais ok, c'est bien ce qui me semblait, il y avait quelque chose dehors. Tu me confirmes ce que je craignais. Petit patron. Regardez ça, le petit patron là qui travaille à 22 h. Il travaille tout seul en plus. Ses employés sont en vacances. On a posé des vacances. Non, mais des congés sans solde. Ah. J'ai fait le gain de base.
Oui, je te loge et je te blanchis. Et je te nourris pas parce qu'il n'y a pas besoin de te nourrir. Quatre mille boules! Si je fais 4000 boules tous les jours, je finirai assez vite le bundle dès la thune. Ça, je pourrais aller dans le désert. Ah, mais du coup, j'ai pas été voir ce que c'était l'événement. Fuck. Polti, il y avait l'événement de la pêche. J'ai raté, c'est quoi l'événement? Café! Café, c'est printemps-été. Ouais. Ce qui est bien avec les graines d'été, c'est qu'il y en a beaucoup qui poussent sur deux saisons en même temps. Et du coup, elles cassent pas à la fin de la saison. Ouais, c'est ça, c'est truite, je crois. Mais du coup, c'est quoi l'event? Ouais, 3. Ah, c'est 3 jours. Bah, je vais aller voir ça alors. Ah, je pensais que je l'avais raté. J'avais pas compris que ça durait plusieurs jours, moi. Bon, les esturgeons, ils ont pas besoin de tellement d'eau, n'est-ce pas? Je peux mettre l'eau croupie des esturgeons sur mes plantes. Il n'y a aucun problème. Alors vraiment, il va falloir que je fasse quelque chose, hein, parce qu'il est fait n'importe comment ce champ. Hein. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui s'en sont occupées. Hein. Il y a un truc qui approque, mais je sais pas quoi. Qui a mis le zbeul? C'est toi, Winnie. C'est toi, j'en suis sûre. Comment il va? Comment il va, le petit chat? Le petit chat. Le petit chat qui court dans la ferme. J'ai trop de trucs à faire! J'ai les barrières qui se cassent déjà! C'est des barrières en voiture, what the fuck? Au secours. Comment je vais faire? Ouais, en plus, je supporte pas de mettre des barrières. Le poulailler, il est mal mis. Je sais pas. Un peu fatigué? Tu vas te reposer ce week-end? Mais normalement, les barrières en voiture, elles sont pas censées tenir plusieurs années. C'est pas censé avoir une durabilité de bâtard. Mais quoi? En fait, si ça se fait, c'est des barrières en bois dur, mais comme c'est celle de la ferme. Du coup, comme c'est un ape, il a fait, eh, vas-y, let's go, ça va être rigolo. En fait, elles ont pas leur durabilité maximale. Elles ont une durabilité moindre. Ouais, 500 jours, c'est ça, c'est plusieurs années, 500 jours.
elles ont la gueule des trucs en bois dur en tout cas. Mais effectivement, la durabilité laisse quand même vachement penser que c'est pas du bois dur. Et hop, de l'hydromel. Ça a été mis hier. C'est ça que j'aime bien avec le miel, c'est que l'hydromel, il se fait en une journée. Alors, on m'a dit près de chez Léa. Mais avant, on va aller voir la marchande ambulante. Si elle nous vendrait pas quelque chose d'intéressant. Spaghetti. Pepperoni. Ouais, mais le poisson globe, il est facile à choper une fois qu'on a le... Oh, puis je l'ai déjà. Alors, c'est par ici? Oh, c'est ici. Qui êtes-vous? Sœur de l'océan, nous sommes les célèbres sœurs de l'océan. Nous pêcherons autant de poissons que nous le souhaitons. What the fuck? Qui êtes-vous? Comment ça se passe ce derby? J'ai trouvé beaucoup d'étiquettes dorées moi aussi, mais ce n'est pas encore fini. Oh, y a plein de random. Étiquette dorée égale cadeau. Venir. Ah, explication. Au cours de cet événement, les truites arc-en-ciel ont une chance d'avoir une étiquette dorée. Apportez ici pour remporter un prix. Et en récompense, il y a quoi? Ah! On n'a pas le droit de savoir. Bonjour. Hey, c'est moi qui ai la plus longue. Et les récompenses, elles sont bien ou pas? Ça vaut le coup? Ouais, la truite iridium. Ouais, oui, Steven, c'est pas forcément War 6, mais l'autre, oui. Hormis les décos, c'est juste dommage que tu aies pas les boîtes random. Ah! Mais moi, je veux pas de déco. On n'a pas besoin de déco dans le 100%. Je peux les garder les poissons ou pas après? Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment des étiquettes après. Qu'est-ce qui donne mastiquer? Mais c'est pas une truite, ça! N'empêche, il y a vraiment un mec, il s'est emmerdé à attraper plein de truites pour leur mettre des étiquettes sur la gueule. Allez, on va tester voir ce que ça vaut. Kit de tente. Ça peut être utilisé dans les mines? Y'a pas que ça, c'est juste qu'il y a les décos qui sont milieu. Ah! Vraiment, les gens qui mettent la musique à fond en vendredi soir, vous méritez pas mon respect au secours. Mais où sont tes mates ce soir? Eh ben, ils ont pas voulu venir. Ou en tout cas, ils sont pas encore arrivés là. Mais c'est ouvert, hein. Ils ont la place, les mates, hein. Je dirais même que là, ils sont sur le chat, les mates. Tous les gens qui sont sur le chat, c'est que les mates. C'est que les gens qui sont connectés. Et reviens! Oh putain.
Là, c'est faux. Chill, bientôt dodo, trop fatigué pour jouer. Plus de musique. C'est triste, y a plus de musique. Le cassette, tout pareil. Oh. Merde, c'est celui du mec d'à côté. Il y en a vraiment genre deux qui arrivent à pêcher, les autres ils sont en mode poteau depuis le début. Ouais, rapide là. Une seconde. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire ce week-end? Oh putain, demain 24 degrés. Oh la bagarre à 24 degrés. Sans doute jouer. Et beaucoup. Et dodo, beaucoup dodo. Dodo, c'est bien, hein. J'aime bien ça, dodo. Je pense que je vais m'y essayer un peu ce week-end aussi. Poisson lune. Aucune idée. Te reposer, ce serait bien. Hein. Je disais que t'étais fatigué. Et du coup, je sais pas. Je crois que j'ai rien de prévu ce week-end. Je crois peut-être un petit peu de live. Mais peut-être des lives plutôt sur des projets perso plutôt que du jeu. Et évidemment, je jouerai. Mais quand je dis projet perso, ce sera peut-être écriture, ce sera peut-être du dev, je sais pas encore. Y a pas d'étiquette! Ils ont bouffé toutes les étiquettes! Tattle Diver ou FF7 que j'ai de côté. Ok. Le remake de FF7 qui est sorti en deux parties, en deux jeux, non? Ok, j'en ai marre. Bon, j'ai eu une tente. Bien une tente. Salut Shane. Tu veux jouer un très mauvais tour à Attente, ok. Offre-lui argile. Mais elle risque de ne pas te le pardonner. Je crois qu'elle est allergique. Ça, si tu veux lui jouer un mauvais tour, essaye ça. Ça va la tuer sur le coup. Trois jeux, mais il n'y en a que deux de sortie pour l'instant. En trois jeux? Mais c'est honteux. Mais le jeu de base, il était sur trois jeux? Où ils se sont foutus de la gueule des fans sur le remake. Comment ça se passe? FF7, c'est un jeu. Mais au secours. Sam! Alors, bonjour. Bonjour, Sam. On voit les montgolfières dériver au-dessus de la mer. C'est qu'on est en plein cœur de l'été. Oh. Léa, j'ai rien à t'offrir! Oui. Corail. Du corail. Bon, j'ai plein de trucs à vendre.
Bonjour Clint. Je sais pas comment, mais le vieux système de wagonnets de la vieille ville fonctionne à nouveau. C'est très pratique pour aller aux mines et en revenir, mais fais attention, s'il s'est remis en route comme ça d'un coup, il peut tout aussi bien s'arrêter soudainement. Nya, t'inquiète. T'es pas très productive aujourd'hui. En même temps, t'es au bar. Oui, bonjour. Hey, j'ai entendu dire que t'avais fait construire un étang à poissons, et j'ai grandi avec un étang à poissons, hein! C'est possible de faire un élevage de presque n'importe quoi dans un étang, mais certains des plus beaux poissons sont très difficiles à élever. Qu'est-ce qu'il aime bien, Clint? J'aimerais lui faire des cadeaux, mais je crois qu'il est difficile, Clint. Non, toi, je t'ai déjà dit bonjour. Mais remake, c'est bizarre parce que c'était deux jeux à la base, puis l'année dernière, ils ont dit qu'il y en aurait trois. Parce qu'ils se sont rendu compte que ça rapportait des thunes, ou parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils savaient pas faire un jeu optique qui pouvait sortir tout seul. Je sais qu'il n'aime pas Pierre Client. Clint. Personne n'aime Pierre. Je plaisante! Tu crois qu'il va aimer la fleur? Il n'a pas aimé la fleur! Cadeau apprécié. Cadeau pas apprécié. Non! Je vais te faire plein de cadeaux, Clint. Je vais le savoir. J'ai besoin de t'aider à pécho, Emily. J'ai besoin que tu te tapes le râteau de ta vie. Suis une personne horrible. C'est austère. J'aime pas quand il n'y a pas de musique. C'est... Eh, Faulty, tu veux un deuxième coquillage arc-en-ciel? Nier. Comment ça, nier? Qu'est-ce que j'ai dit? Sûrement des deux, car je t'avoue, parce qu'il n'y a pas tant la hauteur, le reverse sur certains aspects. Il aime bien les gemmes. Ok. Bon, j'en ai plein, c'est l'avantage. Mais pas les likes. Donc ce que les gens en général aiment bien, lui, il aime pas, sauf les gemmes. C'est ce que j'en comprends en tout cas. Mais il est spécial, Clint. Il n'est pas comme les autres. Son côté dépressif. C'était une vanne. Oh putain! Alors, à l'oral, je l'aurais probablement compris, mais là, elle est tombée à l'eau. Ah bah là, elle a fait un énorme plouf. Un peu de juste en termes de sous. C'est pas comme ça qu'on va payer les bundles, hein. Oh ouais, de l'orage. Je vais avoir un peu de temps pour faire des trucs. Hein. Flash. Oh là là, on va pouvoir faire tellement de bière avec tout ce houblon. On a une carambole encore. Je sais pas à quel moment j'ai eu des graines de carambole. Ah bah avec le musée. Des trous dans la clôture.
tu me diras. Est-ce que les poules, elles passeraient à travers si je faisais un mur comme ça de machine à maillot? Parce que en vrai, si elles passent pas à travers, moi, je veux bien m'en servir de mur. Hein. Ah merde, ça passe à travers. Fuck. On va pouvoir faire plus de... Alors, un tonneau de plus, déjà. Je vais chercher du cuivre. Et plus de ruches. Ça, c'est bien. Mais on s'en occupera un autre jour. Là, on va aller à la mine. Il n'a rien produit. N'empêche, c'était une idée de génie à la base. Je vais y arriver. Imagine. Du coup, tu pouvais faire un mur entier avec que des trucs utiles à la ferme qui ne peuvent pas casser. Tout le rentable. Regardez-moi ce combat fascinant et passionnant par quelqu'un qui a le niveau 2 en combat avec du stuff de merde. Il faut vraiment que j'améliore des trucs. Peut-être que ça passe pour ça, car moi je l'ai mis dans la... en fait, on va plutôt aller là, parce qu'il nous faut du cuivre, en fait. Il nous faut mâche cuivre. Alors, je dis, il nous faut du cuivre. Oh, putain. Déjà, vous... Il y en a un deuxième. Ça pour qu'il y ait rien derrière. Et donc là déjà je peux en faire une. Enfin un. Je peux faire une barre donc un tonneau. Casse-toi! Une zone envahie par les monstres. Il faut l'anneau scintillant au secours. Ah putain, puis un crabe. J'aurais peut-être dû remonter en vrai. Allez. Il y a plus d'ennemis là. Faut que je trouve les topiqueurs.
Quel enfer. Prochaine fois, je remonte, hein. Oh! Ça, c'est oui. C'est bizarre. Ah non. J'allais dire, j'étais convaincue d'avoir amélioré une pioche, mais non. Je devais le faire et j'avais plus de cuivre et après j'avais plus d'argent. Là, en vrai, on va être bien au niveau tonneau. Mais bon, il y a 14 heures qui peut plus que le moins. Oh boy, déjà. Oh bah nickel. Ah merde, il reste un minerai, je sais pas. Coucher, coucher. Vilain slime. Les minerais de cuivre, s'il vous plaît. Y a pas de minerai de cuivre. Du coup, on va farmer des cailloux. Parfait. Par réflexe, j'allais descendre. J'ai tellement l'habitude que je sois dans la mine pour faire la mine et pas pour choper des trucs. Oh putain, ça y est, je me casse. J'ai hésité et en fait je fais ouais flemme. Carotte des cavernes. Eh. Oh, une géode. Ce qui est bien avec les géodes, c'est que j'ai des chances de pas galérer à faire le musée. J'ai des chances. En vrai, on n'y croit pas trop. Le musée, il va forcément y avoir un truc qui a 0,02% de chance de drop. Casse-toi! 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 Oh là, il y a du cuivre. Je viens te rejoindre dans les pirates. J'ai fait un peu... Ah, les gens, ils vont pas comprendre la vanne. Explique. Alors déjà, il a un chapeau. Du coup, c'est bien. Ça veut dire qu'il a succombé à la magnificence du chapeau. Et ouais, bon, je te laisse expliquer pour les pirates, j'ai la flemme. Oh. Il y a des échelles partout. 18 h. Lundi, il pleut. Il y a probablement Harvey au bar. Casse-toi. T'as la flemme aussi. Oh. Oh, fais chier. Ouais, c'est bon, je remonte. Quoi, la touche pour pareil, je me souviens plus. Je suis passé dans un sens, je vais pouvoir passer dans l'autre. Si je rentrais, lol.
pas les flashs. Ouais, de l'argile. Hey Clint, j'ai des gemmes pour toi. As-tu lu récemment quelque chose d'intéressant à la bibliothèque? Alors j'ai lu récemment, effectivement, mais j'ai rien lu d'intéressant. Comment ça? Il aime pas le quartz! Il aime pas le putain de quartz! Voilà, ça c'est un homme de goût, il aime le quartz! Lui, il aime pas le quartz. Connard. Toi, t'aimes le quartz? Là, t'es un homme de goût. Et toi? Toi, t'es un homme de goût. Voilà, c'est pas compliqué quand même. J'ai gelé le quartz. Léa, je devrais peut-être cuisiner. Oui. Rien de ça! Il aime rien! Il aime rien! On m'a menti, on m'a dit qu'il aimait les gemmes! C'est honteux! Remboursez-moi le jeu, après 360 heures de jeu. Je te gueule. Oh non, les chemins de renard se sont encore cassés. Regarde Didi, au lieu de faire un scandale. Je ferai quand même un scandale. Le quartz, c'est pas une gemme. Si, t'es une putain de gemme, le quartz. What the fuck. Meilleur cadeau. Métis, stegmarine. Un peu d'artichaut, émeraude, risotto de fougère. Putain, j'avais une topaze sur moi. Scandale! Je crie au scandale, monsieur! Putain, il y a vraiment plus de barrière. Il a été plus rapide que les autres. Peu importe. Alors, il me faudrait ceci, du bois, de la pierre et du cuivre. Ok, donc il va falloir pas mal de cuivre. Et je voudrais ceci. Je vais faire encore. Oui. Merde, elle est où mon entrée? What the... Quoi? Ah, quoi? Au secours! C'était là l'entrée, non?
myrtilles! Putain, j'ai plus une pierre, quoi. Enfin, si, j'en ai encore un peu, mais j'ai plus de pierre. Respect pour les pierres. Ah, putain. Ah non, je peux pas faire ce que je voulais. Je voulais trop les renards. Je voulais trop les renards et faire que sa maison soit complètement entourée de... Je sais plus, je disais quoi? De ruches. La maison du forgeron, hein, entourée de ruches et de fournaises. Épouse-toi le chat! Encore heureux que je suis pas arrivé trop tard pour ces conneries. Hein. Voilà ça. Ouais, on a gagné un niveau en minage. Trop bien. Oh, on n'a pas fait beaucoup d'argent. Allez. Rico n'a pas pu se développer la nuit dernière. Une pluie verte s'est abattue sur la vallée. Pas certain que le temps va s'aggraver. Et si quelqu'un veut s'abriter dans le saloon, je garderai ouvert toute la journée. Et... Oh putain, il y a des plantes qui ont poussé partout! Mauvaises herbes! Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel, le fuck? Oh, c'est des plantes avec de la mousse. Ça fait plusieurs fois en plus, hein. The fuck. Qu'est-ce que l'actuel fuck? Quelqu'un a une explication à ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se... Enfin, j'ai pas l'air de perdre de la vie. Faut que j'aille donner ça. Alors, ça fait pousser des plantes n'importe comment. Et quand je dis des plantes, c'est des mauvaises herbes. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvel event, t'inquiète. Oui, non, mais je vois bien que c'est un nouvel event. Mais, je peux pas croire que ça soit juste une question de MDR, elle a plu, elle est verte.
même plus passer tellement le truc est cassé. Qu'est-ce qui se passe à mes arbres? Mais attendez, c'est pas mes arbres, ça. C'est des arbres en plus. Mais si, ça, c'est un arbre à moi, il a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, c'est pas juste ça, là. Je vais me dire le stress. Mais... Je me sens envahi. Ah oui, il y a des arbres qui ont poussé de nulle part aussi. La hache est de mise. Pas dans le temps voulu. Attendez, on va régler ça à grands coups de hache. Alors déjà, ça c'est un arbre fruitier, donc j'ai besoin de rien à côté. En plus, il est sur le chemin. Ensuite, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette buissaille? Juste, c'est un arbre normal. Putain. Ça tombe bien, j'avais plus beaucoup de bois. Ah, ça. On va refaire du ménage, hein, parce qu'on y voit rien. Ah, et ça pousse n'importe comment. Alors, c'est pratique, hein. Si à un moment donné tu fais de la merde et que t'as plus d'arbres, ça te règle le problème. Hein. Comme j'avais fait dans ma première partie, en somme. Mais, putain. Je vais pas tout couper. Je vais voir ce qui se passe avec ceux que je vais laisser. S'ils restent comme ça ou s'ils vont redevenir entre guillemets normaux. Ah merde, c'est tombé dans l'eau. Nique sa mère. Je sais pas ce que c'était. J'ai pas reconnu l'icône. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a que dans la ferme que ça fait quelque chose? Ah non, vraisemblablement non. Globalement, c'est maintenant qu'il faut farmer la mousse, quoi. Ça devient des arbres normaux partout, ok. Et ils ont des trucs de spéciaux, ces arbres, ou c'est genre MDR, c'est gaulerie? MDR, c'est gueulerie et un peu de mousse, ok. Bon, moi, je retiens la fougère de ferme. Ça me fait plaisir. C'est quoi, graines de mousse? Les arbres sauvages rares, oh. Graines de mousse, ok. Non. Ok, du coup, il y a pas mal de trucs. La mousse, c'est... Alors la mousse, je peux faire ça, ce qui serait pas mal, mais il me faut du voiture.
Et au village, ça va changer les trucs aussi, je pense. Et du coup, tout le monde est au saloon aujourd'hui ou pas? Au secours! C'est dingue ce que tu m'as envoyé. Et je peux les couper ceux-là ou pas? Oh, on me dit rien! MDR. D'habitude, j'ai pas le droit de casser les arbres de la ville. Cela, j'ai le droit. Ah, y a tout le monde. Ah ouais, y a vraiment tout le monde. C'est un signe du Tout-Puissant, nous sommes condamnés. Oui, j'espère que c'est plus bizarre, ne gêne pas les poissons, ça pourrait ruiner ma vie. Est-ce que tu vas bien? Nous demandons tous ce qui se passe. J'ai apporté du matériel médical jusqu'au cas où, fais attention à toi. Oh, il est cute. Je viens d'avoir le gouverneur au téléphone. Apparemment, cette pluie est censée être totalement inoffensive. Il s'agit juste d'un phénomène naturel inhabituel. Malheureusement, certains habitants de la vallée paniquent à ce qui... n'est jamais bon. J'ai regardé le bulletin mitailleux hier soir, j'ai vraiment eu peur. C'est dans ce genre de situation que la véritable nature d'une personne est mise à l'épreuve. Je garderai M... Je veux dire, je garderai tout le monde à l'abri de la pluie toxique. Ne nous affolons pas, Gus. Je propose une tournée générale pour calmer les nerfs. Quel connard. Je crois pas avoir jamais mis les pieds ici. C'est plutôt confortable ici. Oh, je ne m'inquiète pas pour cette pluie. Je suis certaine que ça va passer. Il va y avoir un sens à tout cela. La nature essaie de nous dire quelque chose. Mais que veut-elle nous dire? Je ne sais pas, c'est difficile à comprendre, mais je sens une forte présence. Les Junimaux? J'ai quelque chose à offrir ou pas? J'ai rien à offrir. Ah si, attends. Ça, forcément, toi, tu aimes. Oh mon dieu, vraiment? Oui. Si ça fait partie de ton bundle, c'est que t'aimes bien. La drogue. C'est ça, la forte présence qu'elle sent, je pense. Il y en a partout. Et là, il y a une quête. Couper des arbres! Trois vivanes rouges. Oh non, un flemme. Vivanes, c'est chiant. Oh boy! Par contre, c'est cool, ça. Qu'on puisse avoir des... trucs comme ça. Pour le paquet du chef. Ah, il y avait ça aussi. Il me disait bien qu'il manquait un truc. Je sais pas, des fois j'ai des réflexes de réorganiser l'inventaire pour rien. Vous en faites pas, des fois vous me voyez ouvrir, refermer, c'est juste des réflexes. Je vais peut-être en couper plein de ça, parce que j'ai peur que demain il n'y en ait plus. Et ce serait bien de les offrir à Gus, quoi. Ok, là il y en a déjà 22. Oh, une... Ah, un bâton. Je crois que c'est une flèche. Ouais, dans les deux cas, ça va chez Gunther. C'est intriguant, mais en même temps... Enfin, c'est un peu bizarre, genre... On a l'impression que c'est un event un peu... plus poussé que juste des arbres qui poussent. Il y a un truc qui m'intrigue. Ça m'intrigue, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière en fait.
graines de brocoli. Oh. En automne. Intéressant. Ça doit être ça que j'ai dû déterrer chez moi. T'es déjà là, le vieux stalker. Bon là, globalement, tout est dans cet état. Ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a vraiment tout le monde chez Gus. Pour juste une pluie. De mousse. C'est pas ça que je voulais. Mais j'en ai plein de l'endroit. Ouais, bon, c'était pas la meilleure idée de placement, mais c'est pas grave. Je vais garder. Ouais, j'ai pas assez de café. Ouais, j'ai 60 en houblon. Et j'ai enfin rattrapé le retard en 9. En maillot. Ces arbres. Rien de spécial. Wouah, j'aime pas ne pas comprendre. What's the point? Concerned ape. Quel est le point? Au secours. Bah, fin de journée, écoute. Ah, c'est insupportable ce filtre vert sur tous les écrans. Au moins, on s'est fait de la thune, c'est bing. Ouais, retour à la normale. Il va y avoir un diams. Pe-p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 e
Je sais pas s'ils vont reproduire des fruits d'ici la fin de la saison. En vrai, je suis sûr, il y a plein de trucs là, je pourrais ne plus les arroser parce qu'ils vont pas reproduire. Putain, l'efficacité de l'arrosage aujourd'hui. J'arrose 6 fois le même truc. On pourra sûrement avoir du café. Le maïs, de toute façon, il va tenir. Le tournesol aussi. J'en ai pas tant des tournesols. Oh, on a 23 000. On va bientôt pouvoir faire le bundle des 25. Enfin, faire le paquet des 25. Et du coup, on va probablement aussi bientôt pouvoir finir de réparer le bus. Même si, bon, prendre le bus, c'est bien, mais il va falloir... J'en ai besoin pour un truc du bœuf. Pas besoin d'un poisson. Je sais plus. Je crois que j'ai vérifié 3 fois déjà en plus. Allez, coucou, j'espère que vous vous amusez bien maintenant que vous avez plus de barrières. Un arbre fruitier, ça. Ouais, ils sont quand même tous restés, quoi. Alors, absolument tous. Bonne nuit, renard. À demain. Pousse-toi bien pour la bagarre. Moi, je vais finir la journée, puis je vais aller dodo aussi, parce que moi aussi, je vais à la bagarre. Ce serait bizarre quand même que j'ai planté celui-là juste à côté de celui-là. C'est pas un acacia, ça ? Attendez, 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 attendez. Acajou, pardon. Je peux voir le... La gueule de l'arbre. Ah oui, c'est complètement ça. Comment il a spawn? On peut lui mettre un seigneur dessus? Ah oui, mais c'est de la sève normale. Alors attends. Il me faut des infos sur la pluie verte. Il y a une page sur le wiki avec les events. Météo sûrement. Ah, le wiki anglais.
Ok. Ok. Ah, elles sont très jolies, hein, les arbres en question. D'accord, il y a trois types, je veux bien, mais je m'en fous. Ok. Aïe, aïe. Ah oui, voilà. Je l'ai vu. Storms. Greenery. Apparaît randomly à chaque été. Ok, ça marche. Le temps passe pas, hein. J'ai pas l'impression. Ok, il y a un truc avec les bundles, mais on s'en fout, parce que c'est des cutscenes. Oui, j'ai bien vu qu'il y avait un effet visuel. Large quantity de d'arbres et tout à travers toute la vallée, sauf sur la plage dans le désert Calico. Ah oui, toutes les pousses de stade 1 ou graines ont 50% de chance de monter au stade 4, donc le arbre plein, norme, enfin, poussé. Deux ou trois vont pousser jusqu'au 4. Ouais, c'est pour ça que c'est le bordel du coup. Tous les arbres qui sont adultes ont 50% de chance d'être couverts de mousse. Tous les... Ah, ok. Ah, il y a des appareils électroniques qui sont pas utilisables pendant l'événement. Donc, il n'y a plus la télé, il n'y a plus le jukebox, il n'y a pas le téléphone. Oh putain! Il y a certaines chambres qui seront accessibles sans les requirements de cœur. Ça se fait, j'aurais pu aller chez Marnie. Ok. Intéressant. Ça m'intriguait. J'ai ma réponse. C'est bon, je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup en vrai. Est-ce qu'il me reste du cuivre? Ah mais du coup est-ce que l'acajou je le coupe ou pas? Le problème c'est que j'ai pas envie de le couper. Mais je crois qu'il empêche mon abricotier de pousser, donc ça m'emmerde. Bon quoi là? Eh, du bois. Ouais, j'ai pas dit bonjour à mon chat. C'est honteux. Je vais le couper. Bleu. Graines. Voilà. Au moins, on n'a pas tout perdu.
Ça marche, bonne nuit. Je reprends quand? Je ne sais pas. Peut-être demain? Je ne garantis rien. Ça va dépendre de comment ma journée de demain se passe, donc. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Ça marche. Des bisous, à la prochaine. Allez, on va ouvrir les géodes. On va avoir le temps d'y aller. C'était assez étrange comme phénomène. Mais ça m'a vraiment l'air d'être un phénomène de type TKT, si t'as foutu la merde et que t'as plus aucun bois, ben on va t'aider. Waouh! Pouah. Je commence à avoir les yeux qui lag. Donc ouais, va falloir que j'arrête. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va finir la journée quand même. Pouah. Merde, il fallait que je donne ça à Gunther. Bref, je vais remonter après. Bien qu'il y avait un truc à faire. Il n'y a rien. Voilà, en gros, en un live, on aura découvert deux nouveautés. De la 1.6. Mais pas rien ce qu'on a découvert. Ah, il parle de la journée d'hier. Des squelettes partout pour la déco d'Halloween. L'idée me tenterait. Oh, allez! Bonjour, allez! Pensais que je deviendrais pro un jour. Tu es destiné à devenir une légende du sport. Peut-être si tu t'entraînes beaucoup plus. Non, tu vas certainement échouer et devenir vendeur dans un magasin! Entraîne-toi! Ouais, mais je suis tellement bon que je vais pas avoir à m'entraîner tant que ça. Ça marche pas comme ça. Je t'avais pas entendu, je pensais à autre chose. Toi, tu aimes le miel? Oh, elle aime le miel! Genre, elle aime beaucoup le miel. Apprécié, ok. Oh, puis il y a marqué ce qu'on a dans l'inventaire! Oh! Je me suis jamais servi de cet overlay. Hein. Moi, d'habitude, je me balade avec des diamants. Et je distribue des diamants pour me faire des amis. Tiens, sois mon ami. Tiens, mamie. Et du coup, les fleurs, elles sont heureuses aussi. 4 slimes rouges! Flemme. Faudrait que je les fasse en vrai. Il y a des trucs à récupérer intéressants en plus. Elle dit quoi, elle? Qu'elle arrête de boire? Eh bien, je crois bien que la fin des temps n'est pas encore arrivée. Allez. Eh bien, retour au bon vieux 9 à 5. Eh, 9 à 5? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, fais voir ça. On aura ouais, des graines nulles, un paquet surprise et un espèce de thé violet. Alors, s'y mettre sérieusement si on veut avoir les récompenses en question. Ok, est-ce que j'ai été voir les tonneaux? Je ne crois pas. Ah, j'ai eu un frisson. Trop bien. Aïe aïe aïe, quel bordel! On va couper un peu de bois. Comment que je fasse plus de tapeurs? On va mettre plus de tapeurs. Plus de seigneurs. Il nous faut. Ça et ça. C'était pas ça. Ah, c'est avec du bois. Toute façon, la sève, c'est forcément rentable. Soit ça me sert pour les crafts, l'artisanat. Soit ça se vend. Ça, c'est de l'érable. Hop, il va me falloir surtout du pain. Non, pas du pain, du. Ça, c'est quoi? Goudron de pain. Ah, c'est celui-là qu'il me faut pas. Chêne. À favoriser ce qui ressemble à du chêne. Et il y en a un. Voilà, et on va couper tous les rames. Faire un peu de place. Oh, on a un livre. Ce qu'on en fait du livre, je pense que je vais peut-être essayer de l'échanger au prochain. J'ai pour le livre, ben, je l'ai déjà eu celui-là. Du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais essayer de le refiler au libraire. Des fois, les échanges ont l'air intéressants. Parce que bon, on va avoir un peu d'expérience. Alors. Ah, en relecture, si. Mais je sais pas si ça vaut le coup, en fait. Termes de quantité d'expérience. Oh, un orange. Toujours prioriser les levels. Écoute, je te fais confiance. Et la grosse barre qui est là, c'est quoi? Ça, c'est la mine. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'île. Je verrai. Ah, d'accord, ok. J'ai pas le droit de savoir. No spoil. C'est un truc incroyable. Oh. Ok.
Ça va être automne. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça me paraît bien. Je reprendrai assez vite. De toute façon. Là, les événements qu'il y a eu aujourd'hui m'ont encore plus intrigué pour la suite. Du coup, je pense très très vite continuer. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu tout ça. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end si jamais je ne stream pas ce week-end. Et encore, merci d'avoir été là. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais dire. Allez, ciao tout le monde, bonne nuit.